Jean-Claude Dupuis. Oui, ça c'est de la boxe. Belle remise. La pommette gauche est amochée. Il va falloir surveiller ça. Allez, bonhomme, reprends-toi. Foreman, bien porté. La plupart du temps, Mohamed Ali est insaisissable. Mais quand il se fait cueillir par un coup puissant, on constate aussi son extraordinaire faculté à encaisser. En effet, il faut déjà réussir à le toucher. Et entre son jeu de jambes et son agilité, c'est loin d'être évident. Et quand bien même on arrive à le toucher, il accompagne les coups. Oui, il enchaîne bien. Boum ! Oh, il touche Jean-Claude. Avec des coups comme ça, le chaos n'est pas loin. Il envoie déjà du lourd, Jean-Claude. Pas sûr que le combat aille à son terme. Ouais, je ne sais pas s'il veut aller en boîte ou se coucher tôt, mais il a visiblement pas envie de s'éterniser sur le ring. Bouge un peu plus. Oh, il a pris cher, là, attention. Mais oui, protège-toi, bon sang. Georges Foreman est dans un sale état à tel point que l'arbitre, là, risque fort d'arrêter le combat. Le gros problème de Foreman, c'est qu'une fois l'attaque portée, il baisse la garde au lieu de revenir en position. Du coup, il se fait cueillir. Remise, c'est bien. Quel début de combat ce soir. On peut dire que les deux boxeurs sont immédiatement passés aux choses sérieuses. Oui, c'est assez surprenant. D'habitude, tout est un peu plus long à se décompter. En tout cas, c'est un signe. Pas de temps à perdre. J'aime bien ce genre de signe. Et voilà la fin d'un round palpitant, très élevé au niveau de l'intensité physique. Ça oui, on peut dire qu'ils en vont sous le capot. Regarde. N'oublie pas, dès qu'il rate un coup, tu lui reviens dessus, ok? Allez, monte ta garde et vas-y! T'as un super. Superbe droite d'Ali! Oh, il frappe autant qu'il peut, on ne l'arrête plus! Oui, il a touché avec les deux. Remise avec une belle droite. Ouh, l'uppercut qui fait mal. Oh, quelle belle droite de Mohamed Ali. Jolie droite, pleine face. Vas-y, gros travail de sape avec cette droite. Très beau coup. Il a touché deux fois. Droite qui fait mal en haut. Il se rend coup pour coup, mais quel échange! Belle fluidité sur ces deux coups. Foreman surprend son adversaire avec une droite. Parade d'Ali. Il revient avec une gauche qui touche. Le jab et le direct du gauche qui suit. Il rate sa cible. Droite en plein visage. Et c'est la fin du round, une reprise dont on retiendra surtout les lacunes dans la garde de ce boxeur. C'est assez typique, tout le monde croit pouvoir cogner, mais maintenir sa garde bien haute, c'est une autre paire de manches. En effet, Christian, n'importe qui peut monter sur un ring et enclencher la machine à frapper. Par contre,
ça va esquiver les coups de l'adversaire. Ça, ça demande de l'entraînement. Effectivement, il n'y a pas de mystère. Forman qui place une gauche, c'est propre. Et un, et deux, c'est bon. Frappe en bas avec la droite. Énorme crochet, pleine face. Superbe percut d'Ali. Avec du droit bien dans l'axe, mais évité. L'accélération avec la gauche. George Foreman se relève après ce knockdown et il fait face à un défi de taille, Jean-Claude. Ouais, un défi qui tranche radicalement avec ceux qu'il a relevé jusqu'à aujourd'hui. Ce coup-ci, il doit trouver comment se sortir de cette situation. Magnifique percut de Mohamed Ali. Il est KO, il n'a pas pu se relever. Place maintenant au pointage des juges.